nous rencontrons le chef de l'équipe des sapeurs-pompiers qui a eu à intervenir. Et nous lui posons la question, comment s'est déroulée l'intervention et à quelle heure avez-vous été contacté? Dites-nous de façon succincte et sans langue de bois, comment s'est déroulée la collecte des fonds durant la période de la campagne électorale et qui gérait... Okay, now tell us more about the brands which actually have been named after you, which is Calixia Goodies and Calixter. Ou quel conseil vous pouvez donner à tous ces jeunes-là qui rêvent un jour vous ressembler ou atteindre votre niveau de célébrité? Quel a été pour vous ce déclic-là pour la communication? Quelle a été justement pour vous cette motivation? Parce que lorsqu'on regarde justement... Et quelle a été ta réaction lorsque la reine du R&B t'a contacté pour une collaboration? Vous pensez véritablement que notre beau pays vous a tout rendu, André Maritala? Bonjour et bienvenue. Can you tell us, Abdelaziz, why did you choose agriculture over fancy office jobs? Aujourd'hui, vous êtes là devant nous. Que pouvez-vous nous dire sur votre enfance si particulière? Merci. Selon vous, qu'est-ce qui provoque, ou dirais-je, quels sont les faits ou les événements déclencheurs de cette crise-là? Pensez-vous qu'un Camerounais ou un jeune Camerounais qui s'engage dans l'écriture puisse vivre aussi dignement que vous le vivez aujourd'hui? Avez-vous des propositions à faire pour améliorer la satisfaction que vous avez de cette émission? Adam, maintenant... Adam, c'était pas très bien construit, Adam, ton interview. C'était toujours pour Eto. C'était quoi ton objectif? Je t'écoute. Oui, en fait, l'objectif que j'avais en tête, c'est de montrer qu'on peut vivre des situations très difficiles, comme lui l'a vécu, il était Samuel Eto'o de Newbell. Et il devient à un moment donné le joueur le plus payé au monde. Ça a fait un carton avec plus de 20,5 millions d'euros. Donc une manière de dire à tous ceux-là qu'on peut être aujourd'hui très petit, on peut vivre des situations difficiles et demain faire la une dans le monde. D'accord, j'ai ressenti un peu ça dans tes questions, c'est vrai. J'avais juste un problème avec les formulations et les tournures du langage. Le fond était là, mais la forme, je pense que tu aurais pu faire mieux quand même dans la forme. Tu lui as demandé de parler de son histoire. Ensuite, oui. Est-ce que ça a été facile? Ces grands instants de gloire, oui. Qui t'en parlent. Oui. Ici, c'est plus concis ce que tu m'as donné, mais dans le rendu que tu as fait, tu es allé. En fait, tu n'as pas posé les questions telles quelles. Mmh. Tu as trop commenté les questions à chaque fois que tu les posais, donc je ne retrouve pas le commentaire. Vous voyez comment c'est si bref? Mais quand il nous a présenté ça, ce n'était pas comme ça. Donc il a ajouté beaucoup de choses derrière les questions qui détruisaient un peu la question à chaque fois. Hein? En fait, j'ai fait une recherche. Donc, la recherche là, c'est. Donc, là, en réalité, c'était vraiment des brèves questions, comme vous l'avez dit. Mais sinon, le commentaire. Oui, mais tes commentaires, justement, des fois, entachaient un peu la question que tu posais. Ah, d'accord. Est-ce qu'on se comprend? Ok. C'est-à-dire, le commentaire des questions avant de la question ou pendant la question, c'est très délicat. Il faut faire attention à ce qu'on dit, être vraiment. Il faut bien rédiger les questions. Je veux vous dire une chose, quand je fais l'émission C'est comment, d'accord? La chose que je rédige le plus, ce sont les questions. Le reste, je ne rédige même pas. Parce que c'est quelque chose de très délicat. C'est un moment très important où ça passe ou ça casse. Parce que si tu fais une mauvaise interview, de l'autre côté, on ne retient pas grand-chose. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que c'est la chose qui doit être le plus rédigée possible. C'est impossible de faire sans rédiger. Certains font, mais on n'aura pas la qualité. Ce n'est pas évident. Parce que tu ne sais même pas qui tu as en face. Et tu peux perdre le fil. Parce que quand tu lances une question, si tu n'as pas écrit les autres, l'invité se retrouve en train de répondre et d'aller dans tous les sens et tout. Si tu n'as pas le temps de recadrer et de retrouver... Aïe, on est en train de sortir. La deuxième question, c'est compliqué. Donc, c'est la chose la plus importante.
Et les commentaires qu'on fait autour, il faut être très expérimenté pour pouvoir commenter et revenir. Et... Non, c'est un exercice quand même qui demande une certaine expérience, sincèrement. Moi-même, je travaille encore sur l'interview. Moi-même. C'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut souvent tout écrire si on peut. Et puis, il faut faire attention. Hein. J'ai entendu un optique. Je pense que quand on utilise ce mot, l'optique, c'est un mot féminin, non? D'accord, Adam? Il faut faire attention. Hein. Et puis, la question, quelle est la place du racisme dans le football? Ça m'a un peu fait choquer, cette question. Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense qu'il ne fallait pas formuler comme ça. Parce que c'est le football, il n'y a pas le racisme dans le football. C'est les gens qui le... Hein, c'est des personnes qui décident. Maintenant, c'est vrai que le racisme, dit comme ça, tout le monde va dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il y a des blancs et des noirs, de toutes les manières, il y a des blancs qui n'aiment pas les noirs. Mais je préfère qu'on ne pose pas la question comme ça, parce que ça peut ouvrir des débats. Il a vécu le racisme, il était dans le football. Mais ça ne veut pas dire que ça a une place. Donc, je veux dire que quand on dit que quelque chose a de la place, c'est plutôt positif, en fait. D'accord? C'est comme si c'était positif. Donc, il faut construire différemment la phrase pour ne pas dire. Parce que quand on dit quelle place occupe telle chose, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas possible, des fois, que ce soit une mauvaise chose. Habituellement, quand on utilise cette expression, c'est pour dire qu'il y a c'est une bonne chose qui est mise en place là-dedans. Mais là, ce n'est pas le cas. D'accord? Le racisme, ce n'est pas une bonne chose. Donc, dire ça comme ça, quelle place occupe le racisme? Aïe! Ou bien différemment. Oui. Oui, madame, juste pour ajouter de l'eau à votre moulin, peut-être parler de l'influence aurait été meilleure, l'influence du racisme dans le football. Voilà, par exemple. Ce n'est pas une place qu'on a donnée au racisme, pardon. Oui, madame, je pense aussi qu'il voulait peut-être demander à son invité quelle est sa position face au racisme dans le football. Oui, par exemple. Dans ce sens-là. Non, dire que le racisme dans le football, ça passe. Mais dire que la place que ça occupe, ça fait que... C'est une expression qu'on utilise quand on veut parler de quelque chose de positif. Hein. Donc, on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions encore sur l'interview? Sinon, peut-être, tout est déjà dit, je pense, mais sinon, peut-être savoir quels sont les différents types d'interviews qui existent. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Voilà. Je pense que notre cher... Parce que je pense que c'est dans tout ça qu'on s'est un peu perdu. Savoir quel type... C'est vrai que c'est télé, mais après, ça... Là, on a vu deux types. On a vu le type de Laurent, qui est de l'interview... Bon, on n'appelle pas ça trop interview, nous, dans notre... On ne dit pas directement c'est l'interview. On va dire le verbe. On va dire, tu as interviewé les victimes, les ceci, tu vois. Mais on a du mal à dire l'interview des victimes, par exemple. Ça, on n'arrive pas. D'accord? Parce que dès qu'on dit interview, malheureusement, à force de faire dans le métier, on s'attend à une personne qui est là, en face de toi, avec qui on ne pense même pas aux flammes, au malheur, et puis on a fait une interview, d'accord? Donc, on n'a pas... C'est pas forcément... Donc, ça, c'est deux types. Donc, il y a des interviews qu'on fait en vue de la... réalisation d'un papier, d'un reportage, d'un documentaire, c'est autre chose. Et puis à l'interview, entretien, comme on disait tout à l'heure avec... Et puis il y a des interviews, comme il l'a dit, mais moi je parle de la télé seulement, je ne peux pas rentrer dans tous les... Moi je parle de la télé, d'accord? Il faut qu'on reste dans notre cadre, sinon vous allez me perdre. J'allais déjà commencer à parler d'autre chose. Non, que je reste focus. Non. Oui. Oui, madame. En fait, moi, je veux juste me rassurer que j'ai bien assimilé. Pour réaliser une bonne interview, il faudrait déjà connaître l'objectif recherché à travers cette interview afin de... Non, c'est quand tu as déjà l'invité. Il faut d'abord avoir celui que tu vas interviewer. C'est qui? Oui, bien sûr. Le qui d'abord. Maintenant, quand tu as cette personne, avoir d'abord toutes les informations sur la personne. Donc, faire un maximum de recherches. C'est quand tu vas faire tes recherches que tu vas créer ton objectif. Parce que c'est en fonction de tout ce que tu sais sur la personne que tu décides de l'objectif. Si tu ne sais rien sur lui, tu vas faire un objectif en fonction de quoi? Est-ce qu'on se comprend? On sait d'abord
trouver la personne qu'on interviewe. Si on l'a trouvée ou si on nous l'a imposée, il faut maintenant faire des recherches sur l'invité, avoir le maximum d'informations auprès de ses proches, auprès des personnes ressources, des personnes qui travaillent avec lui, des personnes qui l'ont connu. Voilà, donc faire le tour, aller même sur le terrain, là où il vit. Donc, je sais pas, si on peut, hein, pour aller jusque-là. Dès qu'on a fait tout ça, maintenant, c'est l'objectif. Parce que tout le plein d'informations que tu as eues te permet de savoir qu'est-ce qu'il y a de pertinent dans sa vie, et qu'est-ce que je peux mettre en avant dans tout ce que j'ai là. Qu'est-ce qui est vraiment important? L'importance et la pertinence, ça peut partir de ce que toi, ou bien, oui, sur tes combats personnels en tant que journaliste, tu aimes être dans cette ligne-là. Donc moi, c'est sensibiliser les jeunes. Peut-être c'est ta ligne à toi en tant que journaliste, c'est ça que tu aimes. Tu décides que dans son parcours-là, je veux prendre tout ce qui se rapproche à mon combat. Et donc, tu fais un objectif en fonction de ça. Ça peut arriver. Ça peut être que non. Toi, tu es pour tous les combats. Ce qui est le plus pertinent dans sa vie, c'est ça que tu prends comme objectif après. Ça peut être... Donc, c'est tellement vaste. Je ne sais pas comment vous... Mais je pense que je vous donne un peu les voies. Et puis maintenant, c'est à vous de faire votre... Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Voilà. Si j'ai bien compris, est-ce que ça revient à dire qu'une interview se rapproche un peu du reportage où il faudrait savoir l'angle? Et aussi, est-ce que les 5 questions généralement utilisées dans le reportage, ça revient dans l'interview? Oui, disons que c'est tout. L'interview, c'est aussi une information qu'on passe. Et donc, on doit avoir fait des recherches. La seule différence, c'est que l'information est donnée par plusieurs personnes. La personne qui pose des questions a des petites infos qu'elle glisse dans les questions. La personne qui est en face répond à des questions sur sa vie et donc passe aussi une information. Donc, c'est une autre manière de passer une information. Mais on ne peut pas assimiler ça au reportage. Vraiment, c'est deux choses différentes. Parce que tu peux décider de ne même pas d'avoir l'interview et le reportage en même temps sur la personne. D'accord? C'est-à-dire un bout du reportage. Le reportage peut avoir un bout de comment tu t'es baladé à travers la ville pour le retrouver. Ensuite, tu l'as trouvé. Bonjour, il t'a dit bonjour, Après, tu repars en off pour expliquer ce que tu as comme information sur lui. Après, tu reviens sur lui. Donc, ça peut se mettre ensemble, mais ce n'est pas la même chose. Je n'avais pas fini. Je disais qu'après qu'on ait l'invité, on fait des recherches sur lui. Ensuite, on se crée un objectif. Après l'objectif, il faut les questions. D'accord? Et la hiérarchie des questions, on vous l'a dit, tu peux décider de mettre le plus pertinent au milieu, pas trop à la fin. Parce que si tu mets trop à la fin, tu peux perdre des téléspectateurs. Au milieu, c'est sympa parce que ça fait attendre les gens, ils sont obligés d'écouter ce que tu dis au début. Donc, c'est des petites techniques aussi qu'on utilise des fois. Des fois, vous invitez quelqu'un et les gens attendent principalement une question. Où tout le monde dit que s'il fait l'interview là et il ne pose pas la question là, non. Donc tout le monde attend. Et des fois, je te jure, il y a des téléspectateurs très énervés à la fin de l'interview parce que finalement la question n'a pas été posée. Et pourtant, c'était une évidence, par exemple. Ça peut arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir toutes les informations. Quand on dit de chercher les informations autour de la personne, c'est de vraiment chercher quoi. Connaître sa dernière actualité. Parce que si tu prends l'invité sans savoir quelle est sa dernière actualité, qu'est-ce qu'il a fait entre temps? Tout le monde est là, on attend une question qui va avec l'actualité, son actualité, et puis on attend. Et rien, ton interview pour le public est raté. Même s'il a dit de très belles choses, ils ne veulent même pas écouter. Ils attendaient que cette question-là. Et des fois, tu es obligé de la poser, même si ça ne cadre pas avec le fil que tu voudrais donner à ton interview. Mais parce que tout le monde l'attend, on est aussi là pour ceux qui nous regardent et surtout pour eux. Voilà. Oui. Madame, si vous permettez, j'ai, sans le nommer, vu un journaliste dans une chaîne concurrente qui a eu l'opportunité d'interviewer le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya. Il disait, pendant le moment où il préparait cette interview, il est descendu sur le terrain rencontrer les Camerounais lambda. Et à chacun d'eux, il leur posait la question, si vous avez le président de la République devant vous, quelles questions vous lui poserez immédiatement? Il dit la somme et la pluralité de ces questions, de ces réponses qui lui ont été données, lui ont permis de structurer très rapidement son interview. Est-ce que cette approche peut être impérative pour
un journaliste. Oui, c'est une bonne méthode. C'est une bonne méthode, maintenant ça dépend des contextes. Il faut que ce soit une personne connue par le peuple, dont les agissements et les actes vont influencer le peuple, va directement. Sinon, tu ne pourras pas. Tu fais une interview sur moi, tu n'as pas besoin d'aller dans la rue, te demander qu'est-ce que tu poserais. Ce n'est pas évident. Sauf si tu essaies de faire un petit si tu dis non, je veux demander seulement à ses fins, par exemple, ou seulement à ses. Oh, mais quand c'est quelqu'un qui est là pour le peuple, qui fait des trucs en direction du peuple, dont le travail est à ce moment, là, tu peux. Ouais. D'accord, madame. Dernière question. Est-ce que nécessairement il est important que c'est le rédacteur en chef qui choisisse à chaque fois les sujets pour lesquels on doit accorder une interview? Mais non. Alors, choisir, ça dépend de ce que vous mettez derrière choisir. Normalement, à la rédaction, tout le monde vient le matin et chacun doit avoir au moins une info, quoi. Je ne sais pas, tu es journaliste, tu fais quoi? Déjà, partir de chez toi pour le bureau, tu dois avoir vu tellement de choses, tu dois avoir lu, entendu, tu as écouté la radio, voilà. Tu es parti hier la veille, donc il y a tellement de choses qui se passent autour de toi, tu ne peux pas arriver à la conférence de rédaction en disant que tu n'as aucun sujet, ce n'est pas possible. Donc déjà, si vous êtes 20, c'est 20 sujets. On parle de choix maintenant du rédacteur, parce qu'il va choisir parmi les 20, là, ce qui est important pour son journal. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est le rédacteur en chef qui décide de ce qui va passer dans le journal. On se comprend maintenant? Tout le monde travaille, tout le monde cherche des sujets. Ce n'est pas seulement le rédacteur en chef. Tout le monde. Même le stagiaire. Même au stagiaire, on dit toi. Qu'est-ce que tu as? Et ça fait honte hein, quand tu n'as rien. Donc il faut chercher. On ne peut pas venir s'asseoir sans avoir au moins un sujet. C'est pas possible. Madame. Oui. Sauf erreur de ma part, je crois avoir retenu que la différence entre l'interview et l'entretien sera au niveau de la manière dont ça se passe. Donc, je crois que j'ai retenu qu'au niveau de l'interview, l'invité n'a pas les questions. Il n'est pas briefé sur les questions qu'on va lui poser. Au niveau de l'entretien, par contre, il sait un peu sur quoi va porter son entretien. Oui, il y a aussi ça. Bon, maintenant, il y a des personnes qui ne savent pas aussi, hein, qui viennent à l'entretien, mais qui ne savent pas. Ça peut arriver, hein, c'est pas obligatoire. Mais des personnes dans le métier, habituellement, quand c'est des personnalités, quand c'est des autorités, on leur fait part quand même, quand c'est un entretien, de ce de quoi on va parler pour qu'ils se préparent. Parce que, surtout les autorités qui ont des fois des comptes à rendre au peuple, ils doivent savoir de quoi on va parler, sinon c'est compliqué. Parce que leur tâche est vaste. Et il faut bien circonscrire, leur dire que non, on va parler dans un premier temps de ça, ensuite on parlera de ça et puis de ça. Tu lui fais juste un bon plan, là, c'est nickel. Mais vous pouvez vous informer. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir Google, tout ça. Nous, à notre époque, on n'avait pas tout ça facilement. Donc, vous pouvez lire, hein, lisez beaucoup, écouter, regarder. Ça va plus vous aider qu'autre chose. Et maintenant, essayez de pratiquer, parce que si vous avez tout ça dans la tête sans pratiquer, sincèrement, c'est bien de savoir, mais c'est encore mieux de mettre son savoir au service. Hein. Ça va aller. D'accord. Alors, c'est notre dernière... J'aurais bien voulu qu'on travaille sur les duos. Mais c'est une chose que je fais des fois quand je sens la nécessité. Et je pense qu'on a fait le tour et que bon, la nécessité de travailler en duo n'est pas... avec le groupe que j'ai cette année, ça va, c'est pas ça le plus gros problème, quoi. Bon, je pense qu'il y a d'autres choses qu'il faut plus maîtriser et puis on verra les duos avec ceux qui resteront. Avec ceux qui resteront pour le stage. J'espère que vous avez eu une bonne expérience, de bons échanges. Les échanges vont continuer cette semaine, on vous l'a dit, non? Avec d'autres personnes. J'espère vraiment que ça va vous enrichir un peu et vous apporter un peu plus de connaissances autour du métier. Mais surtout que ça va vous donner envie de faire ce métier, parce que bon, c'est un métier qui a besoin de ressources. Ressources humaines, il n'y en a pas beaucoup, je tiens à vous le préciser.
Et même s'il y en a, tous ne sont pas bons. Donc ça fait qu'on a toujours besoin. Les bons, dans tous les cas, ne chôment pas. Comme dans tous les métiers, c'est rare de voir les meilleurs chômer. Donc travailler pour être les meilleurs, c'est ça qu'il faut garder, hein. Que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est pas seulement dans notre métier, quoi. Quand on veut arriver quelque part, on s'arrange à être les meilleurs. Comme ça, même s'il n'y a pas de place, il y aura au moins de la place pour les meilleurs. D'accord. Je pense que on est dans un contexte assez difficile avec l'emploi. Et c'est la seule chose qui peut permettre que certaines personnes trouvent au moins une place. Quand on est l'un des meilleurs, sans gêne, la personne arrive, quoi, quand elle est meilleure. Sauf pour des cas où il y a trop de meilleurs. Quand il y a des... Ah oui, s'il y a beaucoup de personnes qui sont au top, naturellement, il faut être le top des tops, alors. Dans notre métier, il n'y a pas beaucoup de top. Donc, et même quand il y en a, ils sont là pour un temps, après ils vont dans autre chose. Ils préfèrent changer d'air, même s'ils ne restent pas très loin du métier. Donc ça peut se comprendre, hein, avec les difficultés qu'il y a aujourd'hui à vivre des salons, c'est comme ça, hein, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est un beau métier, donc il faut y croire et il faut foncer. Pas de tête baissée, mais tête haute. Je veux vous remercier, on aura certainement l'occasion de se revoir, je ne sais pas quand, peut-être le jour des résultats. Peut-être. Bien des choses. Aujourd'hui, la fois passée, nous avons vu, on a parlé de la colorimétrie, on a parlé de la trichromie. Bref, on a parlé de la balance des blancs. Pour parler de la balance des blancs, il a fallu que je vous amène à l'origine. L'origine, c'est l'étude de la trichromie. C'est l'étude de la trichromie. D'accord ? C'est l'étude, c'est l'étude de la colorimétrie. C'est l'étude de la colorimétrie. La trichromie n'est qu'une partie, n'est qu'un petit A ou un grand A ou un grand B de la colorimétrie. D'accord ? Et il faut savoir que la lumière que nous avons dehors là, c'est bleu. D'où le nom de la planète. La planète Terre, c'est quoi ? Planète bleue. Donc quand on regarde comme ça, on voit le faisceau blanc, mais au fond, c'est bleuté. D'accord ? Aujourd'hui, on va passer à un autre pan, qui est les raccords. Le raccord. J'insiste sur le mot. L'an passé, les gars qui sont passés n'ont pas fait le cours sur le raccord. D'accord ? Je suis venu dans le raccord, j'ai pris une partie sur laquelle j'ai fait cours à la promotion passée. J'avais pris la partie de l'axe, la partie des angles. La notion d'angle entre dans le grand cours de raccord. D'accord ? Nous, on sait que durant des années, au fil du temps, l'histoire du cinéma a créé sa grammaire. Elle a créé un syntaxe qui nous amène à être en accord dans notre façon de parler, dans notre façon de faire. Toute chose a sa grammaire. Tu pars en philosophie, il y a la grammaire. Tu pars en mathématiques, il y a sa grammaire. Tu viens en français, qui est la grande langue, qui a un code. Toute chose a un code. Si vous ne réussissez pas à établir un code, vous n'allez pas évoluer. Or, même en cinéma, en vidéo, on a établi le code. Et ce code-là, c'est ça. Et ce code-là nous permet maintenant d'être ensemble. Si vous filmez, si vous partez faire un reportage, vous cadreur, si en faisant votre reportage, vous ne tenez pas compte que le monteur est là, vous ne tenez pas compte que la post-production doit s'appuyer sur votre travail, c'est que vous êtes en train de fausser. Et pour tenir compte, il faut qu'à chaque fois que vous faites un travail, que vous pensez à ce mot-ci, le mot raccord. Est-ce que en filmant X et Y, en déplacement ou en bougeant ou en ceci, je suis en train de tenir compte que ça va se coller. Si
vous le faites et que vous ne tenez pas compte que ça va se coller en post-production, on peut prendre une grande partie. On jette parce qu'on ne réussit pas à aller juste à poser. D'accord ? Ne soyez pas seulement les cadreurs pour cadrer. Ne soyez pas seulement les opérateurs de prise de vue parce que vous voulez une image. Vous devez chaque fois faire la différence avec ceux qui sont dehors, avec ceux qui passent leur temps à filmer les mariages, avec ceux qui passent leur temps à tromper. D'accord ? Donc quand vous filmez, dites-vous que là où je suis en train de filmer, là, il y a quelqu'un qui vient après moi. C'est un travail de chien. Il faut que ton maillon soit bien fait de façon que quand l'autre va venir passer sa part de maillon, qu'il n'ait pas de problème. Que ce soit cohérent. Et la meilleure façon de le faire, à chaque fois que vous travaillez, il faut penser au mot raccord. D'accord ? Maintenant, le film se passe toujours en trois dimensions. Je suis dans le film. Je ne suis pas dans chaque... Le film, quand vous faites un film, que ce soit un spot publicitaire, que ce soit un documentaire, machin, que ce soit un magazine, que ce soit un clip, tout ça c'est des films. Ça se passe en trois dimensions. Donc il y a une trilogie. La trilogie espace, temps, action. Espace, temps, action. D'accord ? Si vous travaillez sans penser à la trilogie espace, temps, action, c'est que vous êtes en train de tout fausser. Si vous mettez l'accent sur l'espace et l'action, vous oubliez le temps. Il n'y aura pas d'accord. Si vous mettez l'accent sur le temps et l'espace et vous ne tenez pas compte de l'action, il n'y aura pas d'accord. Si vous mettez l'action sur le temps et si vous mettez le point sur le temps et l'action, vous ne tenez pas compte d'espace, il n'y aura pas d'accord. Ça, c'est le film dans le sens raccord. Si nous partons dans le sens lumière, ça va respecter le même principe, ce principe de trilogie. Parce que c'est tout ça qui forme un film. D'accord ? Le film n'est pas seulement les images que vous faites. Le film, ce sont des images. Le film, c'est la lumière. Le film, c'est le background. Le film, c'est le décor. Vous voyez un peu ? Le film, c'est le temps. Est-ce que vous m'écoutez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis ici. Voilà mon fameux triangle. On l'a vu l'autre jour dans le cas de la... Aujourd'hui, là, nous ne le voyons pas dans le cadre de la trichromie. Je mets ici film. Film. Notion de film, j'aurai ici espace. J'aurai ici temps. J'aurai ici action. Voilà la trilogie qui forme le film. Voilà les trois mots qui forment le film. Si vous respectez ça, tout ce que vous allez faire, il y aura raccord. Espace. Le film que vous faites dans tout doit là pour se ramener dans un petit espace. D'accord ? L'espace, lui, il est là. Vous ne créez pas l'espace. L'espace existe. Si vous voulez tourner dans la rue existe. Maintenant, c'est vous qui faites ce travail-là. C'est vous qui décidez comment vous allez le terminer. D'accord ? On a la notion de temps. Un film, une histoire qui se raconte en 4 heures, en 2 jours, peut se ramener en 4 minutes. Et que celui qui visionne ça en 4 minutes, à tout ce qu'il y a dans 2 heures. D'accord ? Est-ce que vous m'écoutez ? Voilà, il y a l'aspect subjectif et l'aspect objectif. L'objectif, c'est que vous ayez fait un film, vous ayez raconté une histoire, ou bien fait des images pour une histoire de 20 ans. L'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, quand vous restez à la National Geographic, on vous dit que ça fait du quoi 4 ou 5 ou 6 ans. National Geographic vous raconte ça en 45 minutes, en une heure. Et quand vous regardez, vous voyez tout.
D'accord. C'est ça le problème ici. Ça, c'est le film. Si je pars en lumière, ça va respecter ces trois, cette trilogie-là, action-temps, espace-temps-action. Si je pars dans la notion de plan, espace-temps-action, je suis en raccord. Vous voyez raccord, quand vous voyez raccord, vous ne voyez pas une image filmée directement. Vous voyez les jointures, quel que soit ce que l'on veut faire, même dans le bâtiment. Bref, en termes techniques, c'est la finition qui est la chose la plus importante. Et pour polir, pour mieux finir, il faut que les bases soient bien établies. Un caméraman qui part dehors, fait ses images, la base c'est quoi? C'est de bien filmer en tenant compte que j'ai le monteur. Derrière, j'ai la post-production qui m'attend, qui attend quelqu'un qui ne doit pas se faire les maux de tête parce que le cadreur a été nul. Non, il faut vous mettre à la hauteur. Il faut que quand vous revenez, ayant respecté l'espace-temps action, qu'on dise que oui, on a un cadreur. Oui, on a un bon chasseur d'image. C'est ça qui fait de vous un bon cadreur. Quand vous voyez les collègues qui disent que celui-là, c'est un bon cadreur, ce n'est pas seulement au niveau de l'image claire. Ce n'est pas parce que vous avez fait une image claire. Aussi, une image claire peut être une grosse faute. Parce que en télévision, il y a la notion de contraste qu'il faut respecter. Pas seulement en télévision. La nature, toute la nature ne vit que dans le contraste. Toute la nature ne vit que dans le contraste. Quand tu es ici à Douala, il pleut sauvagement. Dès que tu descends vers aider à machin, la chaleur commence, tu dis, mais quel contraste. Comment il fait tellement froid de ce côté et là-bas il fait chaud. La vie est faite de contraste, même au niveau des images. Si vous avez une image claire à 100%, gauche, droite, même pourcentage, c'est que c'est une image ratée. D'accord? Chaque fois qu'on voulait faire une image, pensez à la notion de contraste. Ce n'est pas parce que vous avez un côté légèrement sombre que vous croyez que vous êtes en train de rater votre image. S'il faut faire la sémiologie de l'image, peut-être c'est cette image-là qu'on va choisir. Parce que la notion de contraste est respectée. Si on ne vous a jamais dit ça, retenez ça aujourd'hui. Même dans le domaine film, quand vous visionnez des films, il y a des plans là où il y a des acteurs qui sont carrément coupés, carrément sombres là. Ce n'est qu'une pénombre que vous voyez de l'autre côté. Et c'est une très bonne image. Parce que toutes ces notions s'y sont respectées. D'accord? Donc, il faut faire attention. Quel que soit ce que vous allez faire en film, il faut toujours penser à la notion d'espace. Pensez à la notion de temps. Pensez à la notion d'action. Notion de temps, quand tu filmes, dis-toi que le monteur n'aura pas tout le temps pour un plan. Tu peux lui donner des séquences de 15 secondes. Bien fait, il vient dedans, il prend ses 7 secondes. Tu peux faire des séquences de 30 secondes. Tu peux faire des séquences de 10 secondes. Tu peux faire des séquences de 5 secondes. Il vient, quand tu fais une séquence de 5-6 secondes, il vient dedans, et s'il pique 3 bonnes secondes pour faire ses plans de coupe. Quand vous donnez au monteur ce genre d'éléments, le gars monte un magazine ou un public ou un documentaire les yeux fermés, à la fin il est content. Quand quelqu'un parle, dit que qui a filmé ça, il dit que c'est tel. Qui a filmé ça, il dit que c'est X. Qui a filmé ça, il dit que c'est Y. Là, quand vous passez, on dit que le gars là est fort. Hein? Le gars là est fort. Hein? C'est parce que vous avez été bien formé et que chaque fois vous respectez cette notion-ci. D'accord? La notion espace, temps, action. On a vu la notion d'espace. On a vu la notion de temps. Maintenant, sur la notion d'action, il y a plusieurs actions. À partir de la notion d'action, nous allons rebondir sur les angles. Puisque c'est dans les angles qu'il y a action. En matière de raccord. Je suis dans raccord, hein. Je ne suis pas dans plan. Hein. Je ne suis pas dans cadre. D'accord? Je suis dans raccord. Et l'action du raccord, c'est la notion d'angle. Ce n'est pas une autre notion. La notion d'angle. En quittant d'un angle à l'autre, est-ce que les images vont se coller? Est-ce qu'en quittant d'un angle à l'autre,
X ne va pas regarder à droite quand l'autre regarde à gauche. En quittant, en changeant des angles, est-ce qu'ils sont dans le même sens? Est-ce que c'est autant de questions qu'on se pose. Maintenant, à partir d'ici, on a la notion d'angle. Avec ça, ça nous entraîne à la notion d'angle. Ça nous donne la notion d'angle. La notion d'angle en télé, en vidéo, est une notion très importante. C'est là où on attrape toujours les cadres, les faux cadres, si on peut utiliser le terme. Ou bien, en termes propres, les cadres mal formés. Ou les cadres qui n'ont même pas été formés. D'accord? C'est un peu comme si, et quand tu arrives ici, c'est un peu comme si quelqu'un parle le français en mettant lui à la place de là, le. Oui. En matière d'angle, nous avons combien de types d'angles? On a le 360 degrés. Qui est le plus grand? On a le 180. On a 90. On a le 45. On a quoi encore? On a le 30. Qu'est-ce que je remarque ici? On voit que ça part, c'est décroissant en moitié. 360, c'est le double de 180. 180, c'est le double de 90. 90, c'est le double de 45. Mais 30 sort. 30 vient de nulle part, sort de nulle part, se retrouve là seul. D'accord? Maintenant, en matière d'angle, nous allons éliminer 360 degrés. Premier angle à éliminer. On saute, on élimine 90 degrés, on élimine 45 degrés. Il nous reste 180 et 30 degrés. Ce n'est pas au hasard. Ça ne veut pas dire que les autres angles ne sont pas importants. Les autres angles sont aussi importants que le 180 et 30. Mais il y a eu un choix dans la discipline. Notre travail, l'expérience a montré que voilà les deux angles qui nous servent au quotidien. Tu peux faire tout un reportage, tu t'en passes de 45 degrés, tu t'en passes de 90 degrés, tu t'en passes de 100, de 360, mais vous ne pouvez pas vous en passer de 180 et de 30 degrés. D'accord? Raccord d'angle. Raccord d'angle. Ça se comprend? Vas-y, pose la question là où tu n'as pas compris. Parle franchement, c'est allumé. Allez, vas-y. Je veux savoir, pourquoi est-ce qu'on a éliminé 90? 90? Ok. T'expliquer ça d'un coup comme ça, tu ne vas pas comprendre. On va évoluer et je vais répondre à ta question un peu plus tard. D'accord? Je veux répondre à ta question. Pourquoi on a éliminé 90? Pourquoi tu ne poses pas la question pourquoi on a éliminé 360? Ou bien on a éliminé 45? D'accord? On va arriver. Maintenant, dans la notion d'angle, on a pris 180. 180, c'est l'angle fétiche en cinéma. Je ne veux pas seulement dire en audiovisuel, parce que nous sommes dans le domaine audiovisuel, en cinéma. 180, c'est l'angle fétiche. D'accord? Si... ça va, il faut effacer ça. On a l'angle de 180 degrés. Généralement, l'angle de 180 degrés, c'est un angle plat. C'est un angle plat. D'accord? Voilà notre 180 degrés. La notion de raccord nous amène... Tu vas comprendre pourquoi on a éliminé les 90 degrés. La notion de raccord nous amène dans l'action à travailler plus avec cet angle-ci. Parce que c'est un angle, c'est un angle plat. Généralement, quand on travaille, on ne travaille pas dans un cercle. On ne travaille pas sur une courbe. On travaille généralement sur un angle plat. Alors, l'angle plat de 180,
nous amène à plus dans le champ contre champ. C'est beaucoup dans le... Quel que soit ce que vous allez faire en angle plat, c'est des champs contre champs. Même si les gens sont 10, vous allez travailler toujours en champ contre champ. Champ contre champ, champ contre champ, d'accord. Généralement, on représente les individus comme ceci. Comme ça. Donc si vous voyez quelqu'un comme ça, ça veut dire que... Si vous voyez une image comme ça, ça veut dire que la personne est représentée vue de dessus. On voit la tête, on voit le nez, on voit les épaules. La tête, les épaules et le nez. D'accord? Donc on voit ici. Si la personne, pour montrer que la personne regarde comme ça, on fait ça. Je veux que la personne regarde comme ça. I wanna kiss you out of love.